Excellence, Monsieur le Président du PRD, chers militantes et militants du PRD, chers invités, Monsieur le Président, permettez-moi avant toute chose de vous féliciter pour cette université de vacances que vous organisez cette année et que pour la première fois je participe à l'ouverture solennelle. Monsieur le Président, en venant ce matin, je n'avais aucune intention d'intervenir. Parce que parfois découragé, je dis bien découragé, et je me dis, nous nous battons contre des moulins à vent. Pourquoi? Mais en écoutant l'introduction de l'honorable Akoteno, qui a eu le mérite de citer une citation que j'adore, de George Orwell, que j'ai d'ailleurs publié sur tous les réseaux sociaux. Quand j'observe la vie politique et que je réfléchis, tout peuple qui élit des voleurs, des corrompus, des renégats n'est pas victime, il est complice. Oui. Dans les thèmes que vous voulez développer, je voudrais suggérer ce thème-là. Quel peuple pour quel président de la République en 2016? Quel peuple pour quel président de la République? Parce que le problème est plus profond que ça. Quand je vois tout le peuple béninois suscité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais personne ne me suscite moi. Pourquoi? Pourquoi ne me suscite pas? Je ne suis pas capable, moi. Je ne suis pas capable. Dites-moi les femmes. Et alors? Alors on suscite. On suscite. On suscite. Alors moi, Dieu m'a ressuscité ce matin. Je suis là avec vous. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du PRD, je souhaiterais vraiment que les partis se penchent aussi sur cette question. Quel peuple pour quel président de la République? Est-ce que c'est le peuple qui aime l'argent qui vote? Azanaï a parlé de moutonisation. Quel est ce peuple qui court, qui accourt, tout simplement parce qu'il y a de l'argent? Oh, merci, Monsieur le Président. Un gros plaisir.